J'étais pris dans la boue du péché, quand l'Esprit a répandu sur moi son eau vive, comme au jour de la source, au cœur du Christ en croix, comme au jour de la source, au cœur du Christ en croix. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel, l'Esprit de Dieu a traversé ma vie, l'Esprit de Dieu comme un vol de colombe au-dessus du Jourdain. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel, l'Esprit de Dieu a traversé ma vie, l'Esprit de Dieu comme un vol de colombe au-dessus du Jourdain. J'étais pris dans ma cage de peur, quand l'Esprit a fait trembler les murs de ma honte, comme ont tremblé les portes au cénacle fermé, comme ont tremblé les portes au cénacle fermé. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel, l'Esprit de Dieu a traversé ma vie, l'Esprit de Dieu comme un vol de colombe au-dessus du Jourdain. J'étais pris dans ma tour de Babel, quand l'Esprit a transformé les mots de mes lèvres, comme ceux des disciples en langage nouveau, comme ceux des disciples en langage nouveau. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel, l'Esprit de Dieu a traversé ma vie, l'Esprit de Dieu comme un vol de colombe au-dessus du Jourdain. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel, l'Esprit de Dieu a traversé ma vie, l'Esprit de Dieu comme un vol de colombe au-dessus du Jourdain. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel, l'Esprit de Dieu a traversé ma vie, l'Esprit de Dieu comme un vol de colombe au-dessus du Jourdain. J'étais pris dans ma cage. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal télévisé un peu particulier puisqu'entièrement consacré à la classe de mère de l'école Saint-Joseph de la commune du Mont-d'Or. L'occasion pour vous de découvrir ce séjour à travers ce journal et toute une équipe de reporters en culotte courte pour vous annoncer les différentes rubriques. En plateau, Olivier et des reporters pour vous annoncer les différents sujets. Allez, trêve de baratin, je m'efface et je laisse le direct à Olivier. Olivier, c'est à vous. Merci Jean-Claude de nous donner antenne. Nous sommes en direct au centre Lagarenne à la Bernerie-en-Ré avec la classe de mère de l'école Saint-Joseph du Mont-d'Or.
Nous commençons notre journal avec un premier sujet sur le canoë présenté par Johan. Eh oui, Olivier, je vous reçois bien en direct du bassin nautique de la Bernerie en Ré où nos élèves découvrent le canoë grâce à Roland qui leur donne de bons conseils comme apprendre à pagayer et à barrer le bateau. Tout de suite, nos images. Avec la sortie à Pornic, reportage présenté par Amélie. Oui, tout à fait, Olivier. Après 2 heures de marche, nos jeunes Mondoriens découvrent Pornic, avec le château de Gilles Doré, le port de pêche et le port de plaisance. Avec une sortie mémorable en mer, sur le bateau La Pimpante 2. Tout de suite, nos images.
Mais vas-y, réussir à manger là. Ça remue comme ça là, hein, François? Non, ça c'est très doux, hein, c'est très mignon. Hein. Non, pas beaucoup. Je vais mettre ses œufs. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Oui, parce que c'est beaucoup plus large là. Et puis alors en fait, au lieu d'avoir. Elle a deux petits trous du côté là. Bon. Et Roland, et lui. Voilà. Roland. Bah oui, ça peut faire mal. Voilà, t'avais vu. C'est sa façon de se défendre. Alors regardez ses grandes antennes. Ouais, ça leur sert à quoi? Par contre, voyez à la fin. Bah oui, il n'y en a pas 36, ça pour mitier sur l'ancien. Ah, Barbe Bleue, c'est beau, vous dites les autres. N'importe quoi. Barbe Bleue, tu es que les femmes, et non les enfants. Et puis, c'est les contes des légendes de Perrault, comme Blanche-Neige, Pinocchio, etc. Et vieux, faut arrêter de regarder Walt Disney. Et bouffon, tu me cherches ou quoi? Allez, ne te vexe pas, même les adultes, ils se gourrent. Alors, t'es vachement excusable. Eh, je savais bien que c'était de leur faute. Alors, tu vois, c'était pas la peine de se faire la guerre. Recevoir 900 bateaux. Là, vous êtes passé de la passerelle sur le ponton. Et du ponton, par des petits. La lumière que vous voyez vous permet de rentrer dans le port. Il est en vert. Si au contraire, c'est rouge, ça veut dire que vous allez vous mettre dans les rochers et qu'il ne faut pas passer là. Des chalutiers parce qu'ils traînent un chalut. Vous voyez à l'arrière de ce chalutier, vous avez un gros filet qu'on appelle le chalut. Et alors, il va mettre ce filet dans l'eau et il va prendre le poisson qu'il va ramener sur le pont. Il mesure combien le filet maximum? Oh, le filet est suffisamment grand. Belle et homard. Et tout ça, ça se prend avec des casiers. Le pêcheur qui est à côté, là. Hé, hey, t'as vu ce bien chalutier? Ouais, merci, je suis pas aveugle. Ouais, mais un truc que tu sais pas. Quoi? C'est que sur ce bateau, il y a un filet qui s'appelle le chalut, qui sert à attraper le poisson, dont le nom chalutier. Mais comment sais-tu tout ça? Hein? Qu'est-ce que tu crois? Il y en a là-dedans. Ça y est, t'as chopé la grosse tête. Ouais, mais moi j'écoute Roland. Mais y a pas que toi qui écoute Roland. Allez, attends-moi, je te laisse pas. Thank you.
Après une telle sortie, il est temps de passer à table. Reportage présenté par Audrey Sinzerg. Effectivement, mon cher Olivier, nos élèves ont très bon appétit grâce aux bons petits plats préparés par Jean-Pierre. Au menu, mes macédoines de légumes, frites, poulet et au dessert, manger des pommes. Si les images avaient des odeurs, vous en auriez l'eau à la bouche. Et tout de suite, envoyez les frites. C'est dommage d'abîmer le... Le lendemain, il y retourne encore la limousine qui arrive avec la rade. Alors, il y va, il voit le grand-père, il y a des lampes. Quelques jours après, il y a tout, et après, il revient. Et puis après, on voit le pépé caché sur le toit là-haut. Il y a le pépé qui lui dit : qu'est-ce que tu fais caché sur le toit ? Ben, il veut deux œufs, j'en ai pas. Sur l'ostréiculture. Oui, Olivier, nous sommes ici en direct des parcs à huîtres de la Bernerie Henri. Les huîtres, plates, creuses et fines, n'ont plus de secret pour eux, grâce à leur accompagnateur Roland. Je vous invite à regarder quelques estries. Je ne
j'aurais dit que tu la poseras tout à l'heure. Vous avez aussi d'autres choses qui ont été mises par les agriculteurs. Ce sont des collecteurs. Donc vous avez deux sortes de collecteurs. Et tout à l'heure, eh bien, on va détailler ça. De collecteur artificiel. Qu'est-ce qu'a une coquille? Et on pose ça sur les tables. Et quand c'est le moment de recueillir les petites larves viennent se coller. Et quand elles vont être suffisamment grosses, que ce soit sur les collecteurs ici ou sur les rochers que vous avez vu dans les poches, un quart sans avoir de l'eau. On fait ça à l'eau dans le coin. Hein. C'est bien. Vous êtes de loin? Ouais, du Mont d'Or. Du Mont d'Or? Ah, c'est complètement la correcte là-bas. C'est le central là-bas. Voilà. La Bourboule. Ah, ben il y avait la Bourboule aussi d'ailleurs. Oui. Ce sont des pêcheurs. Hein. Au nord du département. Ouais, ouais, ils aiment bien la pêche. C'est pas un cœur. D'ailleurs, ils ont aussi des machines. Vous voyez, un autre séparateur, mais je le prends d'après. Collecteur artificiel. Collecteur. Il ne faudrait pas oublier que nous sommes en classe de mer. Voici un reportage sur la classe présenté par Émilie. Oui, Olivier, je me trouve actuellement devant la salle de classe où nos élèves mettent par écrit leurs différentes découvertes avec leur instituteur Gérard. Les coquillages, les huîtres et bien d'autres choses agrémentent leur temps de classe. Tout de suite, nos images. Total du parcours, tout en sachant qu'on connaît l'heure du départ et l'heure d'arrivée. Du parcours en quart. Sans s'arrêter. Sans s'arrêter, voilà. Mais moi je trouve pas comment faire. Non. Le 314. Tu mettras ton nom en haut, hein, et puis tu mets la date d'aujourd'hui. Nous sommes le samedi 27.
cette opération-là. 11h30 moins 10h45, s'il te plaît. 10h45. Allez, on barre. Hop. Mais si tu mettais heure, alors, 4 minutes de soustraction, 30 moins 45, tu peux pas. Hein? Donc on en a une heure. Ce qui fait plus 4, 30, ça fait 90. D'accord? Alors 90 moins 45, c'est faisable, et 10 moins 10, c'est faisable. Alors, donc, tous ces temps d'arrêt, 45, 45, 45, 45. Après le canoë, nos élèves découvrent le kayak. Reportage présenté par Ludovic. Oui, tout à fait, Coco. Pardon, Olivier. Le kayak aujourd'hui connaît un énorme succès, car nous pouvons évoluer seuls sur notre embarcation. Je vous rappelle que la différence entre un canoë et un kayak, c'est que dans un canoë, on est à genoux avec une rame et que dans un kayak, assis avec une double pagaie. Tout de suite, nos images. Thank you.
présent dans notre journal un reportage sur une célébration présentée par Émilie. Oui, Olivier. En ce dimanche de la fête des mères à qui nous pensons très fort, nous participons à une célébration organisée par Roland où nous racontons ce qu'il y a de négatif et de positif dans la vie de tous les jours. Nous mimons des tableaux de l'Évangile. Enfin, nous célébrons le partage avec l'Esprit de Dieu que nous chantons. Tout de suite, nos images. Les gens qui soignent, les généreux qui donnent, nos instituteurs nous aident à apprendre, les gens qui luttent contre la pollution, la beauté de la nature, les chanteurs, les beaux films, les jeux sportifs, les couleurs. Oh, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Faire ce geste de partage. Mais en vous disant à chaque fois, vous ne le mangerez pas tout de suite, on le mangera ensemble. Le canoë et le kayak, nous découvrons l'optimiste. Reportage présenté par Rémi. Oui, Olivier, nos élèves mettent les voiles, mais je vous rassure, ils restent avec nous pour apprendre à se barrer. À barrer leur bateau. Je vous rappelle que l'optimiste fait partie de la famille des dériveurs. Tout de suite, quelques extraits.
Nous partons à la découverte de Prémy. Reportage présenté par Camille. Oui, Olivier, après une sortie à vélo, le jeune pèlerin découvre Prémy qui fut jadis un lieu d'étape pour se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle. Au programme, la pierre à cochon, Saint-Guénolé et bien d'autres choses. Tout de suite, notre sujet. Si vous regardez ce qui est à l'entrée, comme l'encre marine, tout un tas de souvenirs. Il y a aussi avec... Vous avez ici la statue de Saint-Guénolé. Avec Saint-Guénolé. Qu'est-ce que c'est que les paliers? Oui. Ça vous dit quelque chose dans le Nébénec? Hé, hey, Elodie, si un jour t'as un problème pour trouver un mari, viens voir Saint-Guénolé. Et pourquoi ça? Parce que si tu lui plantes une aiguille dans son pied, tu trouveras un mari dans l'année suivante. Hein? Tu crois que j'ai besoin de ça pour trouver un mari? Du tout. Allez, prends pas la tête. Si un jour tu trouves un mari, je vais t'épanouir. Hé, Nicolas, t'as intérêt à passer cette pierre. Et pourquoi ça? Parce que c'est une pierre à cochon. Pierre à cochon? Eh ben voilà. Au Moyen-Âge, on utilisait cette pierre pour empêcher les cochons d'aller manger les morts. D'où le nom pierre à cochon. Et comment tu sais ça? Eh, qu'est-ce que tu crois? Moi, je l'écoute, Roland. Il n'y a pas que toi qui écoutes, là. Te fâche pas. La preuve que t'es pas un cochon, t'as passé la pierre. Petit frère du bout du monde, enfant du soleil, je sais que la terre est ronde, on est tous pareils. Se coucher, nos jeunes mandariens assistent à une veillée jeu. Reportage présenté par Audrey Dulonel. Oui, Olivier, ce soir, une sacrée soirée. Avec au programme La Garuche, Robineau et Mouillette, sans oublier le roi du silence qui est couronné de succès. Le tout accompagné par des chants. Tout de suite, nos images. Elle t'a dit. Allez, allez. Ah non, 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 non. Déjà joué, là. Vite, vite. Non, 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 non
récent. Mouillard. Il a absolument de bonheur. Oui, appel, appel. Bienvenue à la cour du roi du silence de la Bernerie en Ré. À partir de cet instant, il faut maîtriser vos déplacements en faisant le minimum de bruit. Et surtout, ne vous faites pas piéger par le roi un peu imbécile que je vais être pour l'occasion. Bonne chance, car ce n'est point facile. Place au roi du silence, revue et corrigée. Mec, il faut. Oh, c'est bon. Ouais, mais je craque. Monte sur la première chaise, passe dessous. Chut. Laisse les gonds. Tu te drôles. Tu veux du gâteau? Agaba la goloboda. Bonjour. Tu veux du gâteau? Ah. Et toi? Tu veux du gâteau? Eh bien, ce soir, vous avez un prince et une princesse. Que l'on peut applaudir. Après tant d'activités, il est temps d'aller se coucher. Reportage présenté par Audrey du Cinézergue. Oui, Olivier, ne faisons pas trop de bruit. Nos élèves dorment déjà. Certains ronflent tandis que d'autres rêvent des activités du séjour. Tout de suite, nos images. Thank you.
Et maintenant, voici la sortie à Noirmoutier, reportage présenté par Camille. Oui Olivier, je suis en direct à Noirmoutier où nous profitons d'une sacrée journée avec au programme visite des marais salants, l'église de Saint-Philbert avec sa crypte. Enfin, je vous rappelle que Noirmoutier est célèbre pour sa pomme de terre. Tout de suite, nos images. Devant un marais salant de Noirmoutier. C'est là que l'on récolte le sel, les paludiers récoltent le sel. Alors, regardez bien ce marais qui va faire circuler l'eau et qui va le faire cristalliser. Par le paludier. Je ne sais pas si vous connaissez le chant. Basse possible, c'est le pont le plus bas parce que ça pèse très lourd. Hein? Et vous aviez donc sur le bord, là, les bords, le tribord. Vous voyez que c'est un très beau bateau. Je pense que c'est... monastère important au 7e siècle. En effet, Philbert avait débarqué à Noirmoutier en l'an 674, entraînant avec lui plusieurs dizaines de moines en quête de Dieu. Non, c'est la première fois grâce à la classe de mer. Moi, je suis déjà venue avec mes parents, on s'est fait une super bouffe. Je parie que je devine ce que tu as mangé. Alors, vas-y, je t'écoute. Des pommes de terre de Noirmoutier avec du homard. Alors ça, comment t'as fait pour deviner? C'est facile, c'est le plat traditionnel de la région. Ouais, mais t'as oublié quelque chose. Quoi? Mimosa. Mais le mimosa, ça se mange pas? Oui, mais on le met sur la table pour décorer, c'est une tradition. Hé, les deux amoureux, quand vous aurez fini de papoter... Vous viendrez ramasser les coquillages avec nous. Oh, c'est pas la peine de gueuler, on est pas à ce coup. Oh.
Et maintenant, voici notre dernier sujet avec la soirée dansante. Reportage présenté par Audrey Dulondel. Oui, Olivier, je vous reçois 5 sur 5. En direct de la Boum, où on s'éclate comme des fous sur des tubes vachement chébrants. Tout de suite, nos images. Notre journal est terminé, en espérant qu'il vous a plu et qu'il était assez complet. Jean-Claude, je vous rends l'antenne. Bonsoir. Merci Olivier de me rendre l'antenne, il parle déjà comme un pro, ça promet. Voilà, ce journal est terminé, j'espère que vous avez passé une bonne soirée à notre compagnie. Pour ma part, je vous quitte et je vous dis à dans 10 ans, 20 ans, ou plus, pourquoi pas, pour retrouver ce journal dans vos archives vidéo. Bonsoir.